Oui, c'est celle du jeu, la musique, effectivement, Barmic. Et on y retourne. Hop là, on reprend exactement là où on en était. Hop. Donc le maire nous a demandé d'aller le voir et on a plus la télépathie sur le bouton. Donc on va aller voir le maire. Avant d'aller voir le maire. Hop. On va voir la prison. On va aller se moquer un peu de ceux qu'on a attrapés. Précédemment. Si seulement nous étions échappés par la chaîne de Goma. Ah, voilà, information importante. La chaîne de Goma permet de s'échapper. Tais-toi! Ils nous ont eu, mais la prochaine fois, devons-nous la payer? Ah, ennemi récurrent du coup. Ah, nous aurions dû filer plus tôt. Oui. Oui. Voilà. Et oui, Barmic, la musique du jeu est... Enfin, j'aime beaucoup la musique de ce jeu. Je crois qu'à l'époque où les gens jouaient plutôt à Final Fantasy VI, je jouais à ça. Voilà. Et je crois que c'est vraiment un de mes premiers JRPG auxquels j'ai joué. Du coup, beaucoup de bons souvenirs. Finalement, pour ceux qui ont joué au 7, on retrouve un petit peu le principe des matérias, sauf que là, c'est des djinns. Et que, les djinns qu'on utilise, sont, comme on l'a dit dans la précédente partie, permettent de changer la classe des personnages. Et là, pour l'instant, pas trop, mais il y a des combinaisons de mémoire qui sont assez pétées. Donc c'est cool. Vous étiez d'un si grand secours, Vlad. Permettez-moi de vous prouver votre gratitude. Je vais offrir un livre. Ah non, une eau jouvence. J'ai l'air bête si mon premier JRPG c'est Sea of Stars. Il me semble que l'équipe qui a fait Sea of Stars est des grands fans des classiques du genre, justement de l'époque, dont Golden Sun et les Final Fantasy, notamment le 6. Donc non, c'est pas si bête que ce soit ton premier JRPG. Surtout que je pense que à terme, il finira dans la playlist des jeux auxquels je jouerai, si j'économise assez pour m'acheter une... trop tard que ça. Merci Salania, toujours le mot pour réconforter. Vous dirigez peut-être vers la chaîne de Goma? Apparemment oui. Cherchez une caverne dans les montagnes de Goma au nord-est. Une fois que vous l'aurez franchi, vous atteindrez Bilibin. Hein, ou 30 ans de jeu de 70 heures minimum. Golden Sun fait 20 heures et quelques, le deuxième, qui prend la suite directe de celui-ci, doit en faire à peu près la même chose. Les jeux étaient souvent un peu plus courts sur les consoles portables. Donc, ça va. Par contre, effectivement, si tu veux t'attaquer à Final Fantasy VII et le faire à bien le poncer, aller vers du 100%, t'en as pour un bon gros 100 et quelques heures, Barmic. Oui, mais Barmic fait des super temps du coup. Il découvre peut-être les FPS à la souris, mais il fait des super temps sur le premier, sur le tout premier Doom. Il est très très fort. Non. Hop, il n'y a pas d'autre moyen de quitter la région pour le moment. Ok, donc on a dit au nord-est. Donc je ne sais toujours pas comment aller voir mon ami le Jin. Je l'ai fait se déplacer. Comment je fais le tour du village? Peut-être comme... Non. Non. Je vais essayer un truc. Il y a un djinn que j'ai déplacé. Et qui se trouve à... C'est vrai qu'on a joué à Battlefield 3. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a un pont. Oui, on m'a dit d'aller à l'est, donc je vais à l'ouest. Voilà.
Je suis ce genre de joueur, j'aurais peut-être dû passer du temps à l'auberge. Les ultrasons. Il fallait se défendre avant, mec, c'est pas grave. Ouais, alors, vu comment il jouait à Battlefield 3, qui était plutôt respectable, sa façon de jouer, même s'il jouait au clavier, j'ai envie de dire, il jouait mieux au clavier que certains qui jouaient à la souris. L'avantage, c'est qu'il rageait pas. Hop. Donc on arrive au pont cassé, donc ça ne nous servait à rien. Des limons qui ont tendance à fuir. Donc quand ils attaquent, ils se transforment en boule à bic. Glacement. Ouais, c'est intéressant. Tu veux vraiment chercher un parti? Oui, alors pour rappel, hein, si vous voulez voir du point and click, c'est les mardis soirs sur la chaîne de Salania. Hop, en ce moment c'est Siberia 2. Et cherchez pas trop Barbic sur le chat, puisqu'il est modo, donc il est plutôt raisonnable dans l'utilisation de son pouvoir, en général. Ah, si tout se passe bien, tu prévois de finir Siberia 2. Hop, allez, on va faire une sieste. Hop. Ah, tu prévois de finir Siberia 2 ce soir. Alors que je sois là, du coup. Bah, en plus, j'ai rien d'autre à faire ce soir, donc c'est cool. Hop. Je devrais avoir fait le découpage des épisodes du jour. Hop. Donc, on nous a dit d'aller au nord-est. Et, on va aller au nord-est. Des amanites. Sauf que cette fois-ci... Ouh, séisme. Donc, ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, le jeu nous explique un truc. Intéressant. Une barre, mono-cible. Trois barres, une cible principale, elle est un peu moins forte sur ceux d'à côté, et là, on peut aller jusqu'à 5. Donc, le jeu nous dit, on peut avoir jusqu'à 5 ennemis. J'ai la flemme, du coup, je vais faire feu. Ah ouais, boule de feu. Allez, hop, on va tester la boule de feu. Probablement... Ça taunt dans le chat. Boum, allez. Ça taunt dans le chat. Hop. Est-ce que je peux passer par là? Ouh. Hop là, je passe à travers les forêts. Hop là. Du coup, dans la forêt, il y a de la vermine. On va faire secouer la vermine et flamber la vermine. Point. C'était pas assez puissant pour finir le combat en un tour. C'est pas grave. Alors oui, j'ai une utilisation assez libérale de la magie, dans le sens où le jeu est sympa. Oh là, ça va aller. Oui, tech. Il y en a un qui a survécu. Il va flamber. Voilà, kebab de vermine au menu ce soir. Hop. Et du coup, j'ai fait le tour pour rien, c'est ça? J'ai fait le tour pour rien. Ouais. C'est pas grave, on refait le tour. Hop. Donc oui, en fait, on récupère de la magie en marchant. On peut assez librement utiliser de la magie. Boom. Oui, une attaque de terre touche les chauves-souris qui volent. Oh, des ultrasons. Du coup, il réplique avec une boule de feu. Boom. Voilà. Donc le plus vite je me débarrasse des combats, le plus vite je peux avancer dans le reste du jeu, ce qui est toujours pratique. Du coup, hop, 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 hop.
Oui, on va beaucoup entendre la musique de combat du jeu. C'est un jeu de l'époque, hein, d'il y a 20 ans. Donc beaucoup de combats aléatoires. Ouf, une grosse attaque avec un coup critique. Du coup, sauter de champignons au menu. Hop. J'imagine que la chaîne de Goma est ici pour traverser. Et du coup, si je me dirige par là, il y a des trucs. Non. Non. Une forêt. Ça sert pas à rien. Il y a des endroits où il y a des djinns qui se trouvent cachés dans les forêts. Du limon. Ça, on s'en fout, le limon. Alors, je pense que... On va peut-être arrêter les conneries, mais... Peut-être utiliser beaucoup de points de magie. Hop. Cette façon de présenter aussi les combats, si c'est de ça dont tu parles, Ravik. Je la trouve beaucoup plus agréable que celle des Dragon Quest. Non, je pense que c'est l'émulation qui fait trembler l'image de... comment ça s'appelle ? De l'Overworld, vraiment la carte du monde. Oh là là ! Comment est-ce qu'on va passer ? C'est pas comme si on nous avait appris à le faire dès le début du jeu. Hop ! J'aurais pu utiliser... Allez ! Hop ! Au début du jeu. Hop ! Ah, alors là, par contre... Faut garder la main appuyée, faut garder le bouton appuyé pour que ça marche. Hop, là, il y a un truc caché. Ça en servira après. Non, j'ai raté l'échelle. Hop. Ouais, ça tremble un petit peu tout. Non. Non. Mon dieu, je ne peux rien faire pour l'instant. Il y a quelque chose d'autre à faire. Notre synergie n'est pas suffisamment puissante pour déplacer cette souche. Ah, et revoilà, Yvan. Oui, il n'y a que dans la carte, ouais. Ouais. Je pense que c'est l'émulation qui fait trembler, parce que j'avais pas le souvenir, moi, dans le jeu original, que ça tremblait comme ça. Donc, je pense que c'est un défaut de l'émulation. J'essaierai de trouver une solution, s'il y en a une. Malheureusement, ça fait partie des choses qui pourraient être problématiques. Tu veux déplacer cette souche, pas vrai? Non, c'est pas non plus trop désagréable. Allez, vas-y, utilise ta synergie du vent. On dirait que la lierre le retient. N'y a-t-il rien que l'on puisse faire? Bah si, t'as une synergie qui s'appelle tourbillon. Je le sais parce que j'ai lu tes stats. Brillante idée, je sais. J'ai une bonne idée, laisse-moi faire. Et boum, boum. Hop là, voilà. Bien joué, Yvan. J'ai réussi. T'étais même pas sûr de réussir. Merci pour le coup de main. Mais que fais-tu ici, Yvan? J'ai pas pu entrer dans l'Umpa. Eh oui. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas venu vous demander votre aide. J'ai pas arrêté de penser à votre mission depuis mon départ de Fault. Eh oui. J'ai tout lu dans vos esprits, vous en souvenez? Je pouvais pas partir avec toutes ces choses qui arrivaient. Si je ne peux pas sauver Maître Ahmed, alors je vais vous aider. Et puis du coup, ça t'aidera à sauver ton maître. Je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Yvan a rejoint votre groupe. Essayez-vous d'aller à Bilibine par cette grotte. Allons-y. Donc, on reprend. C'est de ce côté-là qu'il fallait pousser.
Oui. Oui, mais là... Non. Ok, c'est mignon, mais je peux pas passer par là. J'ai raté un truc, hein. C'est évident. La 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 la. Attends voir. Et voilà. Et voilà. Donc là, on est dans la caverne de Goma. On peut pas aller mettre les pieds dans l'eau. GG. C'est gentil, Barmic. C'est gentil. Ouh, un squelette. Tu sais quoi? On va secouer le squelette. Et après, on va le... On va l'attaquer son nom. Il y a un sacré magot dans cette grotte. Il a plein de pp, autant y aller. Je sais pas ce que c'est ECM quoi. Électromagnétique. Boum, 47 pv. Tremblement, 20 pv. Ok, bah c'était suffisant. Oui, dans la grotte de Goma, ouais. Ah, c'est plus une apparition, c'est un fantôme. Bah, les séismes. Feu. Et tourbillon pour ces trois-là. Ouais. Peut-être falloir que... Ah. Aiguille niveau 5. 20 pièces d'or, pratique. Donc non. Bah oui, toi, est-ce que je peux te déplacer d'ici? Non, faudra que j'arrive d'au-dessus. On va essayer d'attaquer au maximum de... ennemis en une fois. Économiser pour lui. S'occupera du reste après. Alors du coup, la question c'est que si j'utilise... Ah oui, non, maintenant ils sont beaucoup trop séparés, donc ça sert à rien. Intéressant. Ok. Oh, un djinn de feu. Alors, avant toute chose... Ah mais oui, mais c'est normal qu'on ait plus beaucoup de pp pour... Voilà, ça nous servira tout à l'heure. Monsieur, vous avez vu quelque chose de bizarre par là? Je l'ai combattu, mais il a fui. Quand je suis revenu, je l'ai vu à nouveau. Je me demande s'il aime cet endroit. Un djinn de feu, un djinn de feu.
toi t'as plein de... De ce que j'ai compris, moi, la grotte de Goma permet de traverser la région. Ah ouais, d'accord. Il se soigne. Tintamar. Ok, c'est juste que ça fait mal aux oreilles. C'est quoi, tu m'as énervé? Ah ouais, mais ça va faire baisser mes stats. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'optimiser. C'est bien. Il a augmenté un truc, on trouve 12 pièces d'or. Ok. Donc il faut remonter. Là, il y en a du monde ici. Là, c'est gâché. Yvan devient Éosage au niveau 5. Sûrement un rapport avec Éole, le vent. Hop. Okay. Utiliser les magies pas trop puissantes. Il va falloir commencer à soigner quand même Gareth. C'est quoi? Ouh, coup critique de bâton. Ok, ce bouton là fait ça. Hop, hop, hop. Et on va lisser sur le carrette. Les autres sont encore à peu près en bon état. On peut passer par là. Est-ce qu'on peut déplacer d'ici? Faut aimer la musique, le combat de ce jeu. On va beaucoup l'entendre. Non. Où je peux passer? Bon, là j'y suis déjà allé. On est perdu dans une grotte. Par là. Ok. Voilà. Sauter de plateforme en plateforme est mon gros point faible. Ah oui, la portée de déplacer est trop courte. Ah, j'ai raté un truc. Bon, vous savez quoi, on est pas loin de la fin. Donc on va s'arrêter dans pas longtemps. Sur une énigme toute bête qui consiste à aller d'un point A à un point B.
Ouais, le bouchon, ouais. Oui, il aime bien cet endroit, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Vous savez quoi ? On va revenir au... Je pense qu'on va revenir à l'entrée, à la prochaine partie. Hop. Voilà. Hein ? Voilà, voilà. Donc, il suffisait de sauter le petit rebord qui était juste là, en dessous de ce que j'avais vu. Je pense que c'est le bon moment pour faire une pause et s'arrêter. Si vous avez suivi jusque maintenant sur YouTube, et ben voilà, hein, on se retrouve bientôt. Je vous remets... Le clap, commenter, liker, abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez vu plus vite que moi qu'il suffisait de sauter par-dessus le petit rebord, eh bien bravo. Si vous avez d'autres moments comme ça à partager, des moments où vous avez galéré dans ce jeu ou dans d'autres jeux, pareil, n'hésitez pas. Comme on disait, le jeu a 20 ans, donc si vous n'avez pas pu y jouer à l'époque et que vous le découvrez aujourd'hui, parce que vous étiez trop jeune ou que vous n'aviez pas accès à la console, donc Game Boy Advance, ou pas d'intérêt pour les JRPG à l'époque, c'est l'occasion de regarder ça. Et puis, je vous dis à la prochaine, bisous, et hydratez-vous.